Salut tout le monde, c'est Adkill, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Roblox. Alors aujourd'hui nous allons développer... Ah mince, il vient de prendre les bonbons moelleux. Bon, il ne reste que le chocolat, tant pis. Aujourd'hui nous allons développer notre propre boulangerie. Alors pour cela, nous avons plusieurs outils. On a une pioche ici qui va nous permettre d'obtenir de la pierre, comme vous le voyez là. On a une hache qui, quant à elle, va nous permettre de récolter du bois. Et une faux pour récolter du blé, bien évidemment. Donc ça sera les trois outils qui nous permettront de développer notre boulangerie, je suppose. On aura aussi une épée, mais à mon avis, ça c'est plus pour buter les types qui viendraient nous embêter sur notre propre boulangerie. Alors pour le coup, eh ben, j'ai pas le choix, je dois aller dans le chocolat croquant, mais on a aussi le caramel crémeux, le bonbon moelleux et la pâte dorée. Mais écoutez, le chocolat croquant, ça me va très bien. C'est parti, je claim mon tycoon et on va suivre tranquillement le tutoriel qui nous demande de prendre le mélange de la pâte. Qu'est-ce que c'est? C'est un convoyeur? C'est exactement un convoyeur, mais regardez-moi ça. Le tycoon déjà, il est super stylé. Vous voyez, les animations sont super cool. Et on a donc la pâte qui commence à se créer. Et la pâte me donne seulement 10$. Et apparemment, si je rajoute du blé, ça me donnera 50$. Donc faudra s'occuper de ça. Alors, je récolte ma thune. Pour l'instant, j'ai que 40$. Est-ce que je peux pas mettre le blé, moi, directement dedans? Non, je sais pas. Ah, ok, je peux déposer mon blé ici. Et donc, à partir de maintenant, ça devrait sortir. Voilà, ça, là, c'est parti en x5. Ouais, ouais, c'est ça. Donc là, en ajoutant le blé, à chaque fois, je perds un de blé à chaque fois qu'il y a un beignet qui sort, mais par contre il me rapporte 50$, donc ça c'est cool. Bon bah du coup il va falloir poser un maximum de blé ici, un maximum de pierre et un maximum de bois. Alors pour l'instant la pierre et le bois on va pas s'en servir, j'ai pas ce qu'il faut, donc du coup je vais utiliser ma faux et on va mettre un maximum de blé ici. Allez, c'est parti. On pourra embaucher un fermier qui va pouvoir s'occuper donc de récolter le blé tout seul. Ce tycoon est super stylé, je ne le connaissais pas et j'espère que je vous le fais découvrir avec moi. Alors du coup je peux acheter le mélangeur de pâtes qui est juste là. C'est exactement la même chose, ok, pour l'instant on a que des petits beignets comme ça. Bon bah ça ira très bien. Apparemment je dois cliquer sur la carte pour aller à la ferme de blé, ça me permettra peut-être d'en avoir un petit peu plus. Non, j'ai l'impression que ça change pas grand chose, ou alors c'est peut-être un petit peu plus rapide que de le taper dans le vide comme ça. Attendez, ah mais si je me concentre. Ah si, ok, c'est beaucoup plus rapide effectivement. Bon bah on prend hein. Alors on va pouvoir faire pareil avec la mine de fer. Ok, donc ça c'est bon à savoir, même si pour l'instant j'en ai pas besoin. On peut également faire eh ben, la même chose avec la forêt. On va faire ça sur les arbres bien évidemment, qui sont... Ah ben regardez, il y en a déjà au sol. Parfait, on prend. Alors les arbres, est-ce que ça marche? Non, là celui-là il marche pas. Ah si, celui-là il marche. Ok, je vais prendre plus 15. On retourne à l'usine et on va donc déposer tout ça. Alors je dépose ça là, je dépose ça là. Pour l'instant encore une fois ça ne me sert à rien. Par contre le blé c'est parti, oulala. J'avais zéro de blé, la production n'était pas productive. Ah, j'ai reçu 2500$, pourquoi pas la machine à couper et la cuisinière. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça... Comment ça marche? Ah d'accord, donc ça c'est un upgrader qui va me permettre, eh bien, de mettre peut-être un petit peu de chocolat sur mes donuts, même si pour l'instant ils y sont pas. Welcome gift pack. Ok, un petit cadeau de bienvenue, génial. J'ai un petit flingue, ok, dans le plus grand des calmes. Tranquille, là, je suis juste venu faire ma boulangerie, moi. De base, je voulais tuer personne. Bon bah écoutez, c'est parti, on va commencer, mais pourquoi pas à embaucher du personnel. Regardez, je peux prendre un fermier qui sera là, qui s'occupera de la récolte. Je sais pas si vraiment il est super rapide, mais écoutez, on verra ça. Je vais prendre un mineur également et un coupeur de bois. Un bûcheron, il n'y avait pas la traduction, j'ai lu bêtement, mais c'est un bûcheron. Je peux améliorer le coupeur de bois. Combien ça me coûte? Ah, ok. En dépensant 500$, il va être un petit peu meilleur. Il récoltera un de bois de plus, sûrement. On va lui mettre un petit peu d'endurance. Oula, 5000, ça coûte cher. Et un petit peu de vitesse. Allez, ça sera très bien pour commencer. On va éviter d'enlever toute notre thune. Pour l'instant, c'est surtout du blé qu'on a besoin. Donc, on va améliorer le fermier. On va lui permettre d'avoir un petit peu plus de blé à la seconde. On lui rajoute un petit peu d'endurance et de la vitesse. Pourquoi pas aller un maximum de vitesse. Ça serait bien qu'il se dépêche un petit peu. C'est parfait. Alors, il me reste 5000$. Je sais pas ce que je vais pouvoir développer, mais en tout cas, regardez, la boulangerie va pouvoir s'étendre. Je sais pas s'il y aura un étage. Bref, on verra ça. On va découvrir ça ensemble. Et j'ai une petite voiture. Une voiture de merde, clairement. Oh là, oh là, oh là. J'arrive pas à rentrer dedans. Ah non, quoi, elle est pas mal, hein. Franchement, elle fait un bruit de 4x4. Ok. Allez, c'est parti, on va prendre donc une cuisinière qui sera là, une cuisinière automatique et qui, eh bien, rend mes donuts un petit peu plus chauds comme ça. C'est parfait, et du coup, il récolte, ça donne un petit peu plus d'argent. Parfait. Allez, une machine à sésame qui va venir se rajouter donc au-dessus de mes donuts. Regardez l'animation, les donuts sont complètement plats quand ils sont là. Et là, regardez le sésame qui se met juste au-dessus. Oh, c'est dur à voir. Oh là, j'ai acheté un autre truc. Qu'est-ce que c'est? C'est Tommy. Salut Tommy, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Ok, donc il rajoute du sésame lui-même. Alors, trophée beignet gratuit, ok. Donc là, j'ai terminé apparemment la production des beignets. Mais c'est les beignets numéro 1, les beignets au sésame. C'est pas les meilleurs ceux-là. Hein. Moi, je veux des beignets au chocolat, bien évidemment. Alors, je prends un autre tapis roulant, un autre convoyeur qui sera
de ce côté-là et on va commencer à produire autre chose maintenant. Ou alors ça sera encore des donuts, mais cette fois-ci peut-être au chocolat, je l'espère. Ah par contre c'est la crise, hein. Il va pas assez vite pour le blé lui. Hein. Bon bah allez, je vais l'aider un petit peu. Hein. Ah là là, ah attendez, je peux pas récolter directement comme ça. Ah non, ça marche pas. Bon, j'en récolte un tout petit peu et je vais aller directement les déposer parce que pour l'instant... Mon usine marche pas à plein régime, oui. Je dépose tout ici, parfait. Et j'y retourne en attendant, hein, pendant que c'est en train d'être utilisé par mes beignets. Allez, je vais me prendre un fauteuil argent pendant 30 minutes, ça pourra bien m'aider à commencer. Ça coûte que 40 Robux, allez, on prend. Et comme d'habitude, si jamais vous vous abonnez à Roblox Premium ou que vous achetez des Robux de temps en temps, eh bien, n'hésitez pas à rajouter le star code REDKILL. Juste, je suis confondu dans le blé. Dès que vous les achetez, eh bien, vous mettez mon petit code, c'est juste REDKILL, tout simple. Et ça m'aide à avoir de plus en plus de Robux. Apparemment 301 beignets. Ah, il y a plein de trucs ici. On a une boutique de coupe de bois. Ah, génial. On va pouvoir développer nos outils. Ah bah attendez, on ira en voiture après. Donc, ok, me voici avec 20 000. C'est parfait, on va aller développer nos outils juste après. Là, je vais prendre... Qu'est-ce qu'on a ici? La machine à couper. Génial. Alors là, par contre, il faut du fer. Hein. Le mineur, il a intérêt à se dépêcher. Une cuisinière qui va rajouter donc plus 6 dollars à chaque beignet. Et plus 30 dollars si j'y rajoute du bois. Il va me falloir absolument du bois, là. Ok, un truc pour glacer les beignets. Et on pourra avoir des murs niveau 1. Bon, les murs, c'est pas le plus important pour l'instant. Je m'en occuperai après. Ah, le brise-glace. Ok, j'ai des petits outils là en plus. Ça c'est cool. Allez, ben c'est parti. Oh, direction la ville. Je vais essayer de développer tous mes outils là. Oh, elle est bien avancée sa petite usine. Mince, par contre je suis parti dans l'autre sens, c'est de ce côté là. Alors on va aller donc à la boutique d'agriculture ici. J'espère que c'est ici que je vais pouvoir acheter une meilleure faux. Entrer dans la boutique, c'est parti, ouais c'est ça. Donc moi j'ai la plus pourrie là. J'ai celle-ci que je peux acheter à 2500, celle-ci à 5000. Ah par contre je suis obligé d'avoir la précédente, ok. Bon bah je prends celle-ci, j'achète également celle-là. Et celle-ci, est-ce que j'ai assez de thunes? Pas assez d'argent, mince, dommage. Alors ça va jusqu'à la fossile en diamant à 250 000, on n'y est pas encore hein. Mais ça va, il n'y en a pas tellement hein. Oh, il y a de la thune au sol là. Bah ben écoutez, on va prendre ça. Ah non, c'est du blé. C'est du blé. Bon, c'est pas beaucoup, hein, plus 5. Allez, donc du coup, je vais aller du côté des haches, comme ça, là. On va voir ce que ça donne. Alors, je peux avoir celle-ci à 2500, la hache en fer, qui va deux fois plus vite. Et c'est tout, hein. Bon, bah ben là, j'ai plus de thunes, je vais retourner... Hop, à mon usine. Je vais récolter la thune, 24 300, et je vais améliorer donc tout cela, parce que pour l'instant, il me rapporte pas grand-chose. Hein. Améliorer le fermier, alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Je vais mettre un petit peu de vitesse à lui, allez. Allez, à fond. Vitesse, 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 vitesse. Ah, donc là, il produit toutes les 49 secondes. Allez, je vais utiliser ma nouvelle faux. Oh, 25 par blé. Ça, c'est cool. Du coup, je suppose qu'il va falloir que j'améliore mon sac à dos à un moment. Bon, pour l'instant, franchement, ça va. J'ai 500 de place, et vu qu'on peut se TP, c'est hyper pratique. Hein. Ok, 369 blé. Je viens t'aider un petit peu. Hop, j'ai tout déposé. Maintenant, il me faut absolument de la pierre, hein, parce que là, il a un peu du mal, le mineur. Bon, par contre, j'ai encore la pioche la plus pourrie. C'est pour ça que je vais pas trop en récolter, hein. Ouais, j'en récolte vite fait, et je vais surtout aller au bois, parce que j'ai amélioré ma hache. Alors, ma hache en pierre, ouais, elle est pas mal. Plus 15 par arbre. Ah, celui-là, il prend 20. Oh, c'est quoi tous ces trésors par terre, là? Bon, ben, on va tout prendre, hein. Allez, je retourne à mon usine. Je suis à 700 beignets produits. Je vais lâcher tout ce que j'ai récupéré. Je vais vous améliorer, les gars. Il faut absolument que vous avancez. Hey, what? Il y a un forêt kill. Un forêt kill avec un masque. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ah bah merci pour ton message, par contre t'étais pas obligé de prendre mon skin. Attendez, je peux l'attaquer avec mon épée? Oh attendez, non j'ai mieux que ça. Non je vais pas le tuer, je vais rester cool avec lui. Il a quand même dit de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bien sûr. Et 47 000 billets. Si jamais vous abonnez, donc mettez la petite cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Alors je vais acheter un travailleur qui sera... juste en face et qui mettra un petit peu de crème sur les donuts. Allez, du coup, je vais pouvoir me prendre les petits murs niveau 1, même si c'est pas ma priorité, ça me permettra d'avoir un petit peu plus de forme, c'est cool. On va se prendre une petite porte aussi, également. Parfait. Avec une entrée laser, comme ça, plus personne ne pourra rentrer. Allez, on va essayer d'améliorer le mineur un peu, parce que lui, pour galérer, il galère. Alors, on va essayer de l'up sur tous les points. Ok, alors j'ai atteint son max endurance possible. Là, je vais mettre le montant au max. Parfait. J'ai plus de thunes. Ah bah du coup j'ai débloqué le trophée beignet. Je l'avais même pas vu le trophée. Ils sont trop stylés. Je veux par contre absolument des beignets au chocolat. C'est mes préférés. Il faut absolument cela. Bon allez, je vais améliorer un peu tout le monde ici. Le fermier, je vais le mettre au maximum si possible. Voilà, il est au maximum que je puisse faire pour l'instant. Le mineur, il lui reste un petit peu de vitesse à améliorer. Construisez donc plus de convoyeurs. Donc là c'est bon, j'ai terminé toutes les améliorations possibles de tous mes employés à l'entrée comme ça. Alors, du coup, est-ce que j'achète plus de convoyeurs? Est-ce que ça serait pas là? Ouais, c'est là, 7500, on en prend un. Alors, il va se mettre où, là? Parce qu'il n'y a plus de place. Ah si, au plein milieu, très bien. Donc là, mélangeur de pâtes. Oh, celui-là, il commence à rapporter. Celui-là, il est au chocolat, regardez-moi comment il est beau. Bon, pour l'instant, il va falloir acheter le chocolat. Alors, pour cela, on a la machine à couper qui sera juste là.
Parfait. Une cuisinière à... Let's go, let's go, let's go. Le glaçage au chocolat. Et là... Ça a changé, regardez ça. Hop là. Nickel, machine à cacahuètes. Ok, alors ça, j'ai plus de thunes. Donc, machine à cacahuètes, je pense qu'ils se sont trompés. Ils voulaient dire noisette, peut-être. Allez, c'est parti. Ah, on a des beaux petits donuts qui sortent, là. Allez, travailleurs d'usine, on en rajoute un ici qui va également s'occuper d'en faire de plus en plus. Allez, je vais améliorer un petit peu la déco de mon tycoon avec le mur niveau 2. Et ça y est, ma boulangerie commence à ressembler à quelque chose. Mur niveau 3, c'est parti. Est-ce qu'il y aura un étage sur ce tycoon? Je ne sais pas encore. En tout cas, là, il y a un plafond déjà, et c'est tout. Alors, forêt de kill, vas-y, essaie de rentrer, là. Sors de là! Va-t'en de là, espèce de forêt de kill! Ah, du coup, j'ai débloqué également le trophée peigné au chocolat. Alors, celui-là, c'est clairement le meilleur. Alors, il manquait un petit peu, donc, de déco. On aura un étage, apparemment, avec... Ah non, c'est pas un étage, c'est une autre pièce, carrément, hein. Ils se sont trompés dans la traduction. Décor de plantes. Alors, les petites plantes qui viennent se mettre aux quatre coins, sûrement de mon tycoon. Parfait. Hop, j'emprunte le convoyeur. Désolé pour l'hygiène. C'est pour arriver juste là et me prendre des petites lumières. Waouh. Super, elles sont magnifiques. Une entrée laser de ce côté-là. Par contre, il y a une autre porte là-bas qui n'est pas protégée. Ben non, il n'y a pas besoin de façon, vu que ça amène à l'autre pièce. Alors ici, je suppose qu'on va pouvoir un nouveau convoyeur. On va pouvoir développer de nouvelles choses. Est-ce que c'est encore des beignets là? Ouais, ça sera encore des beignets, d'accord. Ah là, il n'en démord pas, il veut rentrer, hein. Décoration du toit. Alors attendez, je vais mettre des petites décos du toit. Je sais pas ce que ça va rajouter. Mais si. Ah, mais celle-là, par contre, fallait l'ajouter. S'il y a une déco à voir, c'est celle-là. Là, clairement, si vous voulez des beignets, eh bien, venez ici. Tu peux garer ta voiture ailleurs. Je vais faire un parking bientôt. Hop, vire ta voiture. Allez, hop, regarde, elle se conduit toute seule. Alors, mon mineur, il galère. Il faut absolument l'améliorer encore. Alors, l'endurance, la vitesse. Il faut de la vitesse, un peu. Ah, j'ai débloqué tout plein d'outils. Ça tombe bien. En plus, ils sont gratuits. On a un petit gun, un petit gun, un petit. C'est quoi ça? Ah, génial! C'est un ninja qu'on peut lancer. Ouya. Eh, pourquoi je suis devenu invisible? Mais what? D'accord, je savais pas que ça ferait ça. Ah, par contre, ce gun là, je suis pressé de le tester. Attendez, je vais le tester sur mon abonné qui est juste là. Alors. Oh, je l'ai glacé. Je l'ai glacé, c'est trop génial. Est-ce que je peux le taper pendant qu'il est glacé? Ah mais bien sûr. Oh là, j'en profite trop. J'en profite trop. Ça, c'est pour avoir pris mon skin. Il victimise ses abonnés. Non, non, pas du tout. C'est juste ceux qui prennent mon skin, en vérité. Alors, attendez, je vais prendre ces petites peaux, là, parce que... Ces petites plantes, pardon, parce que, bon, elles me font un peu pitié. Ça y est, je les ai. Donc, c'est parti, on va pouvoir développer cette petite machine à baigner, également. On va prendre des petits murs, ça sera un petit peu mieux. Normalement, c'est pas ma priorité, mais franchement, là, je vais les prendre, parce que j'ai envie d'avoir... Un aperçu un petit peu de ma boulangerie là, waouh, c'est pas mal. Bon, est-ce que je peux pas m'acheter une nouvelle hache? Pourquoi pas? J'ai quoi? J'ai 25 000, celle-là je l'ai, celle-là je peux me l'acheter, la hache en bronze. Et je peux avoir la hache en argent, ok. La hache en or, par contre, j'ai pas assez de thunes. Hein. Ok, elle est plutôt stylée, elle scintille comme ça, c'est le moment d'aller récolter du bois. Ah, ça y est, pour la première fois, j'ai rempli mon panier, je l'ai même dépassé un peu, 502 sur 500. Je vais ramener tout ça à l'usine, par contre, je sais pas si on peut améliorer notre panier, ça serait bien. Hein. Alors, j'ai un petit peu de blé à déposer ici et du bois surtout. Hop là. Faut aller, le mineur, il est en galère grave. Hein. Il faut que tu bosses, mec. Alors, on va te rajouter un petit peu de vitesse, un petit peu d'endurance également. Et là, il va produire toutes les 30 secondes, donc c'est pas mal. Prêt. What? What? Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui, là? Attends, 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 reviens là. Il est où? Si je le chope. Si je le chope. C'est bon, je l'ai eu. What? Arrive. À sauter en étant un glaçon. Bon, laisse-moi développer mon fermier, là, parce qu'il galère un petit peu. Donc, on a dit, on va améliorer, non, pas les murs, mais on va mettre une petite cuisinière ici, et on va mettre une machine de glaçage au chocolat, encore une fois. Est-ce que ça sera du chocolat noir? Oui, enfin, du chocolat au lait, j'espère. Ah non, c'est du chocolat blanc, comme par hasard. Ah non, c'est des boutons de chocolat blanc qui viennent se rajouter au-dessus. Des boutons, non, pas des boutons, juste des petits morceaux. Allez, on va améliorer donc nos pioches. C'était laquelle? Celle-là, je l'avais pas. La pioche en fer, je la prends. Ah oui, j'avais vraiment une pioche de merde, en fait. Ah oui, j'avais rien acheté. Pioche en argent. Pioche en or, peut-être. Ouais, j'ai assez de thunes. Je crois que j'ai plus de thunes, là, par contre. Pioche en émeraude. Non, pas assez de thunes. Bon, bah, génial. Une petite pioche en or, c'est parfait. À quoi elle ressemble? Oh, elle est stylée, stylée. Salut, Delila. T'es en train de mettre les petits chocolats blancs sur le beignet. Très bien. Le petit trophée en beignet de chocolat blanc. Allez, go, nouveau convoyeur, et là, cela me rapporte par contre 160 par beignet. Chocolat fraise, donc là, ça, waouh, 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 c'est stylé par contre, hein. Allez, hop, plup, c'est bon. On va y rajouter, eh bien, un petit ouvrier comme ça, qui s'appelle Nathan, bienvenue à toi dans l'entreprise. Et j'ai débloqué le trophée beignet avec son petit supplément de fraises. Le bois, la stone et le blé ne descendent vraiment pas vite, donc c'est cool, ça veut dire qu'ils font du bon boulot. Oh, j'avais pas vu ça, j'ai plein de trucs ici. Une petite mitraillette. Allez, je me reprends un petit x2 argent parce que c'était terminé, les 30 minutes étaient terminées. Je rajoute 30 minutes de plus. Donc on a dit, on avait quoi ici? On avait un lance-missile, ça c'est parfait. S'il y a jamais un abonné qui arrive,
ça dégage. Le nuage volant, on va le prendre également. Ça, c'est parfait. Ah oui, il marche bien, il marche bien, il marche bien. Bon, en vérité, on en a pas trop besoin parce que voilà, on peut se téléporter grâce à la carte, mais bon, en vérité, ça permet d'avoir un bel aperçu de sa petite boulangerie qui commence à être plutôt grande, il faut l'avouer. Allez, c'est parti, nouveau convoyeur, celui-ci à 32 500, celui-là, c'est l'ultra convoyeur. 250 par bélier, et ceux-là, ils sont pas mal, hein. Ah, ils sont caramel, d'accord. Petit glaçage au caramel et un supplément caramel aussi par-dessus. C'est ce qu'il faut. Et ici, on va mettre un petit ouvrier. Petit ouvrier. Hop, j'ai pris un deuxième truc là. Ah, ok, c'était le trophée, bien évidemment. Et bienvenue à toi, Georges. Et par contre, mange pas tout, hein. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a de plus à développer là? Une autre pièce et de la décoration. Ah, on va avoir de la décoration également ici. Ok, c'est la même qu'à l'entrée. Ah non, c'est pas la même cette fois-ci. C'est celle avec le caramel, les fraises et le chocolat blanc. Très bien. Hop, je prends la petite entrée laser histoire de terminer ce côté-là. Et on débloque la nouvelle pièce pour 36 500. Alors, cela, il me rapporte 300 dollars par contre. Alors, cette fois-ci, à quoi ils seront? Ils seront à la framboise? Très bien. Eh bien, on va écouter, on va acheter la machine à framboise. Ah, et d'accord, c'est carrément ici que mes framboises sont cultivées. Bah, au moins, on sait d'où ça vient, là, clairement. Alors, on va voir à quoi ressemblent ces petits beignets-là. Ah, ok, même s'ils sont pas. Ah, si, ils sont finis. Si, si, ils sont finis. C'est comme ça qu'ils seront livré. Très bien. Allez, comme d'hab, petit ouvrier qui sera ici avec le trophée beignet à la framboise. Bienvenue à toi, Alice, au pays des framboises. Bon, par contre, là, mon fermier, il est un petit peu en galère, là. Il faut absolument que j'aille l'aider. Je te rajoute un petit peu. Hop, je vais t'améliorer. T'inquiète, je vais t'améliorer. Même le bûcheron là-bas, c'est pas la joie. Alors, attends, je vais t'améliorer, mec. Je vais mettre un petit peu plus de vitesse à la limite et un peu plus de montant à chaque fois. Alors, est-ce que je peux améliorer ma petite fossile quand même? Parce que là, oui, j'avais que celle en bois depuis le début. J'avais même pas acheté la fossile en fer. Ok, ben je la prends. La fossile en bronze, on la prend en argent. On peut également en or. On peut. Et à mon avis, ça sera la dernière en émeraude que je pourrais avoir. Et celle-ci, ouais, j'aurais pas assez de thunes. Ok, celle-ci est super stylée. Elle me rajoute 4. Et j'ai l'impression de faire beaucoup plus vite là. 4 de blé à chaque clic. Allez, c'est bon, j'ai fait le plein. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait le plein. Je vais pouvoir rassasier tout le monde. Oh, le bois. Oh, le bois, c'est la galère également. Oh là là. Il a que 124. Là, je viens de le rajouter. La pierre, ça sert à rien que j'en prenne. Par contre, lui, c'est bon, là. Niveau blé, il s'est remis bien. Alors, il va falloir que je rajoute à nouveau, c'est vrai. 50 000. Machine à baigner. Ceux-là seront aux bleuets. Qu'est-ce que c'est, les bleuets? C'est les myrtilles, peut-être, non? Allez, hop, je l'ai fait quasiment une fois. Ouvrier, hop. Belle, là. Ah, ils sont super stylés, ceux-là. Je les adore. Oh, c'est surtout qu'il y a marqué 700 dollars au-dessus. C'est pour ça que je les adore. Allez, du coup, je débloque le trophée bélier qui sera juste là. Bon, par contre, là, mon bûcheron, il est vraiment en galère. Il faut absolument que je vais acheter une hache. J'ai 123 000. Alors, à mon avis, je vais pouvoir mettre bien niveau hache. Hein. Alors, hache en fer, on prend. Hache en bronze, en valide. Hache en argent, hache en or. Hache en émeraude. Et là, cette fois-ci, je vais passer à l'hache en rubis. Donc là, c'est le meilleur outil que j'ai pour l'instant. Pour aller stylé. Bon, allez, je récolte quelques petits trucs pour le mettre bien. Donc là, je vais avoir sûrement. Ah, encore une nouvelle pièce, carrément. Par contre, ah si, les murs, je peux les développer de là-bas. Très bien, bon, je ferai les murs après. Je vais prendre un nouveau convoyeur, des nouveaux béliers, pardon. Et là, il y aura du glaçage aux bonbons. Très bien, allez hop, on le prend. On va voir ce que ça donne du coup maintenant, les bonbons. Ah ok, c'est très blanc. Mais ouais, c'est pas fou. Ah, on va pouvoir ajouter des Skittles, parfait. Allez, c'est bon, les Skittles, j'ai assez pour les avoir. Normalement, ça devrait être... Il y a même le logo qui est là, les Skittles sur les côtés, comme ça, et regardez quand ils se mettent sur mes beignets, ils sont juste trop stylés, regardez. Hop là, le trophée est magnifique, avec les petits Skittles juste dessus. Oh putain, c'est que ça me donne faim tout ça. Débloquer le cœur noir, qu'est-ce que c'est le cœur noir? C'est une arme. On va pouvoir tester ça sur le forêt kill, regardez. Yep, et hop là. Wow, ça one shot. Oh, ça l'a complètement dégoupé même. Alors, nouveau tapis roulant, et à mon avis, ça sera le dernier beignet pour aujourd'hui, celui-ci. Eh bien, je sais pas encore ce que ça va être. Bon bah, je suis à plus de 8000... donuts vendus quand même, ou peut-être qu'ils sont pas encore vendus, mais en tout cas ils ont été produits. Et là donc on a seulement deux décorations ici parce qu'on ne fait que les myrtilles et les framboises. Allez, j'ai 400 000 sur moi, ce qui va me permettre d'acheter la machine à baigner. Ça y est, on va voir ce que c'est enfin ces beignets là. Il me faut gagner 600 dollars au début et ensuite au Nutella. Oh là là, le meilleur pour la fin là, clairement. Hey, salut. Non, toi t'es pas le meilleur pour la fin, toi. T'es le pire. T'es le pire abonné. Tu me piques mon skin. Non, il m'a démonté, il a pris mon arme. Ah, je suis dégoûté. Non, je rigole, ça me dérange pas que vous ayez mon skin. D'ailleurs, je mettrai peut-être sur mon groupe la possibilité de prendre mon skin pour genre 5 ou 10 Robux, on verra ça. Donc commencez déjà à rejoindre mon petit groupe qui est dans la description. Il s'appelle Red Kill Army, mon groupe Roblox. La cible alliée, boum. Moins infini. Oh, bah ça, c'est one shot, hein. Allez, c'est parti, ça y est, le Nutella, on va pouvoir enfin le mettre. Oh là 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 là. Oh là là là, regardez-moi cette machine. Je veux la même chez moi. Hop là, moi je me mettrai carrément dessous là comme ça. Est-ce que je peux me mettre dessous? Non, je peux pas là, je suis trop grand pour ça. Je mettrai ma tête dessous là. Je vous ordonne de sortir de cette zone.
Faut être kill. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Prenez votre voiture et barrez-vous. Attends, on va tenter de le péter quand il est dans sa voiture. Ah, il est protégé par sa voiture. Est-ce qu'il va être protégé encore là? Ah là, peut-être pas. Ah, je l'ai raté. Wow, je l'ai eu dans sa voiture. Du coup, sa voiture, elle sait même plus où aller. Regardez, elle fait que tourner depuis tout à l'heure. Allez, du coup, j'ai les 680 000. Alors, c'était 650, ben, c'est parfait. Ça rajoute 2 des marshmallow dessus. C'est le meilleur combo possible, Nutella marshmallow. Du coup, ça fait mes beignets à combien? 1350 $. Ça fait un peu cher le beignet, mais bon. Par contre, mon ouvrière, pour ces beignets-là, elle coûte 1 million. Ok, j'y suis pas encore. Hein. Bon, j'aurais bien voulu voir les usines des autres, mais malheureusement, ils sont pas très avancés. Hein. Ah, il est revenu, lui. Il est revenu. Il ne voudra pas me lâcher. Hein. Mais tant que j'aurai mon lance-missile, de toute façon, c'est mort pour lui. Hein. Boum. Ça y est, je peux avoir les murs niveau 2. Parfait, il va nous manquer les murs niveau 3 et le plafond. J'ai mon million. Ce qui va me permettre d'avoir donc l'ouvrière à 1 million. L'ouvrière la plus chère de ce tycoon, je suppose, avec le trophée beignet au marshmallow et surtout au Nutella. Oh, trop bien, j'ai un lance-roquette là du coup qui va pouvoir se mettre là. Très bien, on va pouvoir tester ça. Je me rends. Attends, je veux juste tester ça, moi. Ah ouais, ça marche bien. Allez, du coup, une entrée laser de ce côté-là. Une entrée laser de ce côté-là également. Et là, tout mon tycoon est sécurisé partout. Il n'y a plus aucune pièce où on peut rentrer sans passer par la porte laser. Et il va manquer plus que les décorations de toit. Et je pense qu'on aura fini ce tycoon. Wow, désolé, mec. T'as essayé de passer entre comme ça, là, peut-être? Je sais pas. En tout cas, c'était un tycoon super stylé. J'espère qu'il vous a plu. Les abonnés, si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et ça y est, j'ai les 460 000. La petite déco, très classique. Et je crois que j'ai terminé, normalement. Ouais, je peux faire le rebirth, ça veut dire que j'ai terminé. On va prendre une vue d'ensemble et on va se quitter là-dessus. Waouh, waouh, waouh. Ça rend super bien. Bon, si j'avais eu le choix, j'aurais pas organisé exactement comme ça mon usine. Mais bon, c'est très sympa quand même. Allez, je me mets ici. Salut à tous, c'était Redkill. Et cliquez sur une petite vidéo qui s'affiche sur votre écran pour accéder à une autre vidéo sur ma chaîne. Salut à tous.